Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un duel de Ligue des Champions entre Manchester City et le Bayern de Munich. Dans le match aller, il y a eu 3-0 pour Manchester City. Est-ce que le Bayern de Munich va réussir à reprendre l'avantage lors du match retour? On verra ça dans cette vidéo. Les amis, on va commencer par le premier challenge, le défi de la crossbar entre Manchester City et le Bayern de Munich. Ils auront 3 balles chacun pour essayer de toucher la crossbar. Et l'équipe qui touche le plus de fois la crossbar remportera ce premier challenge. C'est parti. On est sur le match retour. Donc c'est le Bayern de Munich qui va commencer à tirer la crossbar. Allez, autour de Marwan, c'est parti. La crossbar. Dommage, ok. Donc pour l'instant, le Bayern de Munich ne prend pas de points. C'est au tour de Manchester City. Marley, est-ce que tu vas la mettre? Je sais pas. Tu sais pas? Tu vas tout donner? Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Ouhouhou! Bon les gars, il est pas loin. Maintenant, c'est au tour du Bayern de Munich. Il y a toujours 0-0 entre les deux équipes. C'est parti. C'est au tour de Yanis. Tu vas la mettre ou pas? T'es confiant? Ouais. Ouais? Allez, c'est parti, on va voir ça. Au tour de Yanis. Ouh! Ça passe juste au-dessus. Du coup, le Bayern de Munich ne prend toujours pas de points. Nel, tu le sens chaud ou pas? Non. Non, pas du tout. Allez, vas-y, donne tout. Ok, pour le moment, entre Manchester City et le Bayern de Munich, il y a toujours 0-0. Aucune des deux équipes a réussi à toucher la crossbar. Allez, c'est parti, Walid. C'est Walid. Je vais pas refaire, il s'appelle Walid. C'est moi. C'est Walid. Tu le sens comment? Bah, je sens pas. Bon, on va essayer, c'est pas grave. On va essayer. Allez, c'est parti. Autour de Walid. Peut-être pour sauver City. Les gars, il n'y a eu aucune crossbar entre ces deux équipes. Alors, on va voir si c'est vraiment dur de toucher la crossbar. C'est possible, malheureusement les deux équipes n'ont pas réussi, du coup on repart sur un deuxième tour. T'as quel âge? 9 ans. Donc c'est aux petits 9 ans du Bayern de Munich de repartir pour un deuxième tour. Donne tout pour ton équipe, allez c'est parti. Il a pas assez piqué la balle pour toucher la crossbar. Malheureusement ils ne prennent pas de points, c'est au tour de Manchester City. T'as quel âge toi? 9 ans. 9 ans aussi, allez c'est parti. Le duel entre les deux petits. Coman vs Haaland. Oh dommage. Et... Oh c'est parti. Attention. Peut-être pour City. Oh! La première crossbar de Manchester City qui prend l'avantage face au Bayern de Munich. C'est au tour de Wahil. Donc là, faut la mettre. T'es chaud? Non. Non? Ok, on va voir ça. Allez, bonne chance à toi. Il a touché, les gars. Ok, il revient donc à 1-1 face à Manchester City. Bien joué à toi. T'en penses quoi de ta crossbar? Elle est incroyable. Elle est incroyable, on est d'accord. Allez. Attention. Ok les potes, donc là il vient de toucher la barre transversale de derrière. Donc City et le Bayern de Munich font match nul sur ce premier défi. Ils vont pouvoir peut-être se départager sur les pénaltys juste après. Let's go! On passe maintenant au deuxième challenge. Le pénalty entre Manchester City et le Bayern de Munich. Ces deux équipes vont s'affronter et celui qui met le plus de buts remportera ce challenge numéro 2. Let's go! C'est le premier pénalty pour le Bayern de Munich. Il a seulement 9 ans. Est-ce qu'il va réussir à mettre le pénalty pour prendre l'avantage avec son équipe? C'est parti! Oh, oh le petit pont les gars, incroyable. Munich prend l'avantage avec 1-0. T'as pensé quoi de ta frappe? Magnifique. Elle était magnifique, exactement le petit pont. Deuxième pénalty de Manchester City. Son concurrent de seulement 9 ans. Est-ce qu'il va pouvoir être à égalité et remonter à 1-1? C'est parti. Oh, les potes, il a super bien placé le pénalty. Incroyable. T'as pensé quoi de ton pénalty? Bien frappé. Ouais, il a bien frappé, exactement. Très joli. Let's go. Attention. Oh, bien joué au gardien. On part maintenant sur le deuxième tir de Manchester City. S'il le met, alors City prendra l'avantage. Oh, bravo, bravo, bravo. City prend l'avantage 2-1. T'en penses quoi de ce pénalty? Là, c'est le pénalty jamais. Tu le mets? On va entendre ça, c'est parti. Allez, Bayern Munich. Wahil, c'est bon. Oh! Et il a une force de titan. Mais il a réussi à arrêter, bravo à lui. Bon, Manchester City a gagné, mais il va quand même tirer son troisième pénalty pour voir s'il prend vraiment l'avantage. Elle est belle, elle est bien placée. Allez, on passe maintenant au prochain challenge. Troisième challenge, le 1v1. Donc entre City et le Bayern, on va commencer avec les deux petits de 9 ans, des cracks entre Marwan et Marley. Ils vont devoir s'affronter. Marwan va partir en attaquant. Il doit dribbler Erwan et marquer derrière. Et s'il réussit, alors il remportera un point pour son équipe. Sans plus attendre, c'est parti. Marley, tu joues quel poste au foot? Ailier gauche. Ailier gauche, donc t'as l'habitude d'être un peu défenseur. Tu le sens comment ce duel? Tu penses que tu vas réussir à l'arrêter? Tu joues quel poste? Attaquant. Attaquant, bon ça devrait être plutôt facile. Les petits dribbles. Allez, on va voir ça les potes. Ils vont tout donner, ils n'ont seulement que 9 ans. C'est parti pour le duel 1v1 entre ces deux joueurs. Bayern de Munich contre Manchester City. C'est parti. Le duel. Oh! Oh!
Les gars, la balle est sortie, elle est sortie, c'est terminé. Let's go les gars pour l'attaque. Attention. Bravo, ok. Marley, c'est à toi d'attaquer, t'en penses quoi? Que je vais le mettre. Tu vas réussir? Ouais. Marwan, t'en penses quoi? Bah moi je n'ai aucune idée. Tu vas l'arrêter ou pas? J'espère. J'espère. Allez, on va voir ça les potes. Vas-y Marwan, joue, là, tu fais quoi? Oh, oh le passement de jambe. Ouh. Attendez les gars, attention, attention. Oh là là, sur le côté. Deuxième attaque entre Marley et Marwan. C'est parti les gars. Oh là là, oh là là, ce crack. Oh dommage. Malheureusement, c'est compliqué sur la finition. Il y avait un grand au cage, mais le dribble incroyable. C'est parti. Attention, ok, le crochet sur le côté. Il attaque. Attention. Oh, est-ce qu'il va passer? Oh là là, il passe. Il va réussir les gars, attention. Allez, faut finir, faut finir. Allez, faut terminer. Le défenseur se bat les gars, Allez, faut terminer. Allez, c'est parti. Les gars, le duel. Allez, 5 secondes, 5, 4, 3, 2. Ah, dommage. Allez, c'est parti pour la deuxième attaque de Manchester City face au Bayern de Munich. Pour le moment, la défense du Bayern de Munich tient. On va voir jusqu'à quand. C'est parti pour l'attaque de City. Oh là là. Ouh. Allez, c'est parti pour l'UL. 3, 2, 1, go. Attention, il part sur le côté. Oh là 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 là. Les gars, il part sur le côté. Est-ce qu'il va le passer? Il garde bien le ballon. Il repart dans l'axe. Super, super, super les gars. Super, c'est super. Oh dommage! Les gars, pour le moment, il y a 3-2 pour Manchester City. Ils ont réussi à bien défendre. On va voir si le Bayern de Munich arrivera à raccrocher au score et faire 3-3 sur la défense. T'en penses quoi, Walid, sur cette attaque? Moi, je pense que je vais passer, moi. Wail, tu vas réussir à défendre? On verra. Ça va passer ou pas? Ça passe. Ça passe? Moi, ouais, je pense que ça passe pas, non. Moi, ça passe pas? Moi, ça passe pas. Ça passe pas? Ça va, ça passe. Ça passe. Il va y avoir petit pont. Il va y avoir petit pont. C'est mon grand frère, je le connais, mais ça va passer. Ça va passer, et toi? Il va le stopper. Allez, on va voir ça. Parti, let's go! Attends. Allez, Wally! Attention, les gars. Oh, oh, oh! Les gars, le joueur du Bayern de Munich a réussi à super bien défendre face à un joueur très technique de Manchester City. Donc ce qui fait au niveau des attaques défense, match nul, 3-3. Les amis, on part maintenant sur le quatrième défi entre le Bayern de Munich et Manchester City. Des attaques défense, mais cette fois-ci avec toute l'équipe en même temps, 3 contre 3. Ils auront 3 passes à chacun de 30 secondes. Et maintenant, c'est à eux d'essayer de gagner pour remporter le défi et être champion. Les potes, Well va gérer le chronomètre, 30 secondes pour l'attaque. Allez, c'est lui qui va gérer. Et c'est parti pour le duel entre Manchester City et le Bayern de Munich. C'est parti les gars, l'attaque. Allez, Bayern de Munich contre Manchester City. C'est rapide, 30 secondes. Attention les deux petits. Ok. Allez, attaque, attaque. 30 secondes les potes, 30 secondes. Il reste combien de secondes? Top. Allez, maintenant on change. C'est Manchester City qui attaque contre le Bayern de Munich. C'est parti. Oh, dommage. Ok, il y a 30 secondes pour attaquer. 30 secondes. Oh, la passe. Magnifique. Oh. Oh. Attention. Oh. 10 secondes. Dernière attaque. Dernière attaque. Dernière attaque. Oh. Il y a main. Pénalty pour Manchester City. Il y a une main. Donc, c'est Marley qui va tirer le pénalty. Marley contre Marwan. C'est parti. Allez. C'est parti pour la deuxième attaque du Bayern de Munich. Let's go, c'est parti. Oh. Allez, une attaque. Oh là là, belle défense de Marley. Oui, on appuie. Oh, c'est bon. Allez, dernière attaque. Stop. Attends, dernière attaque. Ok. Le Bayern de Munich n'a malheureusement pas réussi sur cette attaque à passer Manchester City. Maintenant, on inverse les rôles et c'est reparti. Deuxième attaque de Manchester City. Pour le moment, il y a 0-0 entre les deux équipes en 3v3. On va voir comment ça se passe. C'est parti.
De nouvelles attaques. C'est parti. La passe. Oh là, bien anticipé. Dernière attaque de Manchester City. Allez, c'est parti, les gars. Ok, ça fait bien tourner le jeu. Marley 9 ans. Il y a toujours 0-0 entre Manchester City et le Bayern de Munich. Est-ce qu'une de ces deux équipes va réussir à se démarquer? C'est maintenant la dernière attaque pour le Bayern de Munich. Là, les gars, c'est la dernière. Et après, c'est terminé, ok? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, dernière attaque. Bayern de Munich. 30 secondes. Allez, c'est reparti pour une attaque. Allez, c'est parti. Ok, ok. Dernière action pour le Bayern. Oh, bien joué, Marley. Attention, Marouane peut-être, oh il a la balle. Chut. On revient sur une faute, Lavara dit qu'il y avait faute à ce niveau-là, il y a eu un tibia contre tibia, donc on va laisser l'avantage au Bayern de Munich, coup franc, donc ça va être la dernière action du match, soit il va le tirer, soit il la joue en action, on va voir comment ça se passe. Il va la tirer les gars, coup franc, dernière action. Oh les gars, c'était incroyable, il a mis le ballon dans l'angle, malheureusement le gardien a bien joué et il a réussi à arrêter la balle. Ce qui fait que pour le moment le Bayern de Munich n'a pas réussi sur les attaques. Maintenant il va falloir gérer sur la défense pour qu'il y ait match nul. On passe maintenant sur la dernière attaque de Manchester City. S'il marque le but, alors là les gars ils ont tout gagné. C'est parti. Allez, vous êtes prêts les gars pour l'attaque? C'est parti. Dernière action, c'est... Bel arrêt du gardien les gars. Oh là, dommage Marley. Là les potes, on a une super action de Marley, seulement 9 ans, qui a tiré au but. Malheureusement, il y a eu l'arrêt de son confrère Marwan qui a fait un super arrêt. Allez, c'est parti les gars, attaque. Oh, oh. Ah, ah, goal, goal. Allez, dernière action de Manchester City. Marley à la balle. Oh, bien joué. Oh, Marley à la balle peut-être. Oh, bien joué. Dommage. Marley récupère la balle. Oh là, magnifique passe. Marley. Oh l'arrêt les potes. Les gars, ce duel entre Marley et Marwan, deux petits de 9 ans, incroyable. Allez, dernière action. Oh bien joué petit. Il a arrêté, c'est incroyable. Le petit au goal, incroyable. Sur ces différents duels qu'il y a eu entre le Bayern de Munich et Manchester City, c'est Manchester City qui a pris l'avantage. Vous pensez que qui va gagner entre City et le Bayern de Munich? Dites-moi dans les commentaires. Vous les gars, vous en pensez quoi? Moi je pense City, ils vont gagner avec un doublé de Mahrez. Moi je pense que le Bayern, ils vont gagner. Ah, tu penses que le Bayern vont remonter et gagner? Ouais. Moi 2-1 pour City. Bah pour moi 2-1 pour City. Doublé d'Haaland. City qui gagne. Et City qui gagne. Ok, donc là on a quand même un avantage considérable sur City qui devrait gagner ce match retour de Ligue des Champions. Donc là on a les gagnants qui peuvent donner leurs réseaux sociaux. Moi c'est Nel-AGD sur Insta et TikTok. T'as un petit compte Instagram? TikTok? Non? Banks Wild sur TikTok. B-I-N-K-S. Et voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé et quelle équipe va gagner entre City et le Bayern de Munich. Nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter ce que vous avez pensé, de vous abonner et d'activer la notification. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao !